Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette série de présentations intitulée Une introduction à l'économie. Introduction toute personnelle que je vous propose et qui j'espère sera la plus longue possible. L'objectif de ces présentations est assez simple, c'est de présenter de la façon la plus simple possible l'économie et les concepts qui la caractérisent et surtout de mettre en perspective cette présentation avec la réalité. Je dirais que un premier point important, c'est que l'économie est une grille de lecture pour comprendre le monde, comme il existe d'autres grilles de lecture, comme par exemple la philosophie, l'histoire, les sciences physiques. Mais comme toute grille de lecture, l'économie s'intéresse à des domaines qui lui sont propres et qui ne concernent pas les autres disciplines. L'économie a donc ses sujets, son vocabulaire, ses concepts, ses modèles. Donc la présentation que je vous propose, intitulée Une introduction à l'économie, vise à déchiffrer ces éléments qui peuvent paraître assez étrangers, pour ne pas dire abscons, à ceux qui n'ont pas l'habitude de pratiquer cette matière lorsqu'ils peuvent entendre les discours de certains experts. Donc cette présentation, une introduction à l'économie, s'adresse aussi bien aux étudiants en économie qu'à celles et ceux qui sont passionnés par cette matière. Alors je dirais même plutôt science à propos de l'économie, car quoi qu'en disent certains, je pense que l'économie est une science. Nous verrons un peu plus tard, lors d'une prochaine présentation, je pense, que l'économie, en effet, peut être contestée lorsqu'elle est considérée ou lorsqu'elle s'affirme, si je puis dire, par la bouche de ceux qui la pratiquent, lorsqu'elle se définit donc comme scientifique. C'est-à-dire que cette appellation et cette caractérisation de l'économie suscitent le débat. C'est, je pense, aussi ce débat qui rend l'économie encore plus passionnante. Je vous propose, donc concernant ce premier module, intitulé Du modèle économique à la politique économique, le sommaire suivant. C'est-à-dire que dans un premier temps, nous verrons ce qu'est l'économie. Nous essaierons, je dirais, d'identifier une définition de l'économie. Vous comprendrez dans un instant pourquoi je vous parle avec prudence par rapport à cela. Dans un second temps, pardon, nous verrons ce qu'est la macroéconomie. Pourquoi cette identification de la macroéconomie? Tout simplement parce que les modèles économiques, qui constituent le troisième point et le cœur du sujet de cette première présentation, donc les modèles économiques s'inscrivent dans la macroéconomie. Dans un quatrième temps, nous verrons comment peuvent être exploités les modèles économiques, sous-entendu leur impact sur la politique. Et enfin, dans un dernier temps, et pour conclure cette première présentation, eh bien, je me propose justement de me présenter, de dire qui je suis et de vous laisser mes coordonnées pour me contacter. Donc, qu'est-ce que l'économie? Comme dans toute démarche qui vise à définir un concept, nous pouvons, je dirais, pratiquer un petit détour d'ordre étymologique. À savoir que l'économie vient du grec ancien, oikonomia, qui est composé de deux termes, oikos, alors j'appelle O-I-tréma, K-O-S, qui signifie en grec ancien maison. Et ensuite, oikonomia, qui est composé de nomos, N-O-M-O-S, et qui signifie gérer, administrer. Ainsi, dans l'Antiquité, l'économie signifiait l'art de bien gérer sa maison. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de l'économie? La première chose, c'est qu'il n'y a pas une définition de l'économie. La définition, comme je l'ai écrit, aucune. Mais il y a des définitions. Tout dépend de l'angle sous lequel on se place.
On peut notamment faire une première distinction, à savoir que l'économie peut être considérée comme une matière descriptive, c'est-à-dire que l'économie sert à dire ce qui est, à décrire ce qui est et à expliquer ce qui est, d'où le terme de descriptif. Mais on peut aussi envisager et exploiter l'économie comme une démarche normative, c'est-à-dire qu'il s'agit de dire non plus ce qui est, mais ce qui doit être, c'est-à-dire que sur la base de l'économie et du travail qui la caractérise, on va procéder à des choix. Donc, sous ce second angle, il y a un aspect dit normatif. Et puis, l'économie n'est pas non plus identifiée de la même façon selon le sujet qu'elle traite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul sujet traité par l'économie, mais une diversité de sujets. C'est la raison pour laquelle on parle notamment d'économie politique, comme on peut parler d'économie sociale, d'économie d'entreprise, d'économie internationale, d'économie financière, en opposition, si je puis dire, avec l'économie réelle, ce sont des sujets d'actualité, ou encore parle-t-on donc de macroéconomie comme de microéconomie, etc., etc., je pourrais allonger la liste. Donc, je vous propose malgré tout d'essayer, de tenter, si je puis dire, de circonscrire ce qu'est l'économie avec quelques termes clés. Je dirais donc que l'économie est une science sociale, qui va et qui vise à expliquer des relations, les relations entre les agents dits économiques, concernant les opérations que ces agents réalisent entre eux, et la réalisation de ces échanges, la réalisation de ces relations, va entraîner une création de richesse. Je m'arrête sur certains thèmes clés. Donc, science sociale, c'est-à-dire que l'économie explique des phénomènes. Mais ces phénomènes, donc, qui occupent l'économie, le champ économique, ne sont pas des phénomènes naturels, mais des relations humaines. C'est la raison pour laquelle l'économie, donc, comme je l'ai dit, est une science sociale et non pas une science, je dirais entre guillemets, dure. Une science dure comme le sont les sciences physiques. Deuxième mot-clé, les agents, et notamment les agents économiques. Qui sont, que sont les agents économiques? Eh bien, ce sont tout simplement les hommes et les organisations qu'ils composent, des organisations privées comme les entreprises ou encore des organisations publiques comme l'État. C'est une notion très importante que celle d'agent économique qui est définie dans le cadre de la comptabilité nationale. Je vous propose, lors d'un prochain module, de voir dans le détail ce qu'est et qui sont les agents économiques et comment s'inscrivent-ils exactement dans la démarche de la comptabilité nationale. Donc pour l'instant, nous laissons ce point de côté. Autre point donc, les opérations. Donc les opérations donc, qui sont des échanges économiques, c'est-à-dire concrètement des échanges de biens et de services entre des agents économiques. Là aussi, cette notion d'opération est extrêmement importante parce que elle induit une autre notion tout aussi importante qui va nous animer, si je puis dire, là aussi, sur différents modules, cette notion de circuit économique. Ensuite, les opérations qui sont réalisées par ces agents s'inscrivent dans des moments particuliers. Des moments particuliers que l'on identifie comme les fonctions clés de l'économie. Il y a, pour l'essentiel, cinq fonctions clés. La fonction de production, de revenu, de distribution, de consommation et d'investissement. Donc ce sont les cinq fonctions clés essentielles de l'économie. Là aussi, nous y reviendrons un petit peu plus tard.
lors d'une prochaine présentation, sachant que ces moments concourent à la création de richesse. Donc ça, c'est extrêmement important, cette notion de création de richesse, et on verra là aussi comment cette création de richesse est mesurée. Je dirais même un mot très rapidement donc sur la richesse. Cette richesse, elle résulte de quoi? Elle résulte de la production. La production, c'est quoi? C'est le fait pour l'homme de transformer la nature de façon à répondre à des besoins, puisque la nature elle-même n'est pas en mesure de répondre à ses besoins. Donc il faut à l'homme transformer la nature, transformer des ressources pour pouvoir produire un bien qu'il souhaite. Petit exemple, peut-être, naturellement l'homme ne peut pas voler, il n'a pas les capacités naturelles pour voler, cela ne l'a pas empêché d'avoir le souhait, je dirais, de survoler les airs, et bien l'homme a fabriqué des avions. Donc, l'économie n'est pas que descriptive, je l'ai dit. Elle permet de faire des choix. Comprendre comment la richesse est produite et comment cette richesse est partagée, c'est quelque chose de très important. C'est une base, là aussi, essentielle pour décider la façon de partager cette richesse. C'est pour cela que de l'économie à la politique, eh bien, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas, d'où le débat. Le débat, ce qui signifie que l'économie n'est pas, si je puis dire, une science exacte. Et elle ne le sera jamais. C'est la raison pour laquelle, pour un même sujet, je dirais, avec deux personnes aussi expertes l'une que l'autre, on peut avoir un débat, c'est-à-dire une opposition d'idées, donc des points de vue tout à fait différents, sur un même point économique. Alors oui, peut-être peut-on dire que l'économie est un art. Hein, nous l'avons dit lorsque nous sommes intéressés sur un plan étymologique à la définition donc, de l'économie. Les Grecs donc la définissaient comme l'art de bien gérer sa maison. Donc on peut entendre peut-être, je dirais même certainement, l'économie comme un art. L'art étant entendu ici hein, comme la capacité de faire des choix à partir de la lecture qui aurait été faite du monde grâce à l'économie. La seule différence que je ferai entre la définition ou l'aspect étymologique et une définition, si je puis dire, plus d'actualité, c'est qu'il s'agit d'un art mais qui n'est pas simplement seulement intéressé par les affaires domestiques, mais bien par les affaires du monde. Alors ensuite, je l'ai dit en introduction, la macroéconomie s'inscrit, ou plutôt le modèle économique s'inscrivent dans un cadre macroéconomique. Alors, pourquoi la macroéconomie? Sous-entendu, qu'est-ce que la macroéconomique? Alors, la macroéconomie, je dirais que c'est une façon de pratiquer l'économie. La macroéconomie, elle consiste à faire des analyses, et des analyses de façon macro, c'est-à-dire de façon globale, en utilisant notamment des outils, des indicateurs, ce qu'on appelle notamment des agrégats, qui sont considérés comme représentatifs de la situation d'un ensemble, la situation d'un tout, et cet ensemble, ce tout, c'est bien souvent un pays. Avec la macroéconomie, on va essayer de comprendre comment évolue une société au travers de ses résultats économiques. Et c'est sur cette base, sur cette compréhension, sur la base donc des agrégats, qu'on va déterminer ou qu'on peut déterminer des éléments de politique économique. Alors la macroéconomie, elle est différente de la microéconomie. La microéconomie, elle, va s'attacher au comportement individuel des agents économiques. Hein, je l'ai dit, la macro va viser une analyse et des résultats économiques globaux. La microéconomie, elle, est sur un champ individuel.
Elle s'attache, je le répète, au comportement individuel des agents économiques. Malgré tout, il y a un lien. On ne peut pas, on peut les différencier, mais on ne peut pas, je dirais, les opposer. C'est-à-dire que la microéconomie alimente la macroéconomie. Autrement dit, les comportements ou le résultat des comportements individuels qui sont analysés par la microéconomie, bien évidemment, vont impacter les résultats, les agrégats qui font l'objet d'une étude macroéconomique. Alors, un indicateur fondamental, je parlais donc d'agrégats, de résultats globaux, un indicateur fondamental dans l'analyse macroéconomique, c'est le produit intérieur brut, le PIB. Alors là aussi, sur cet indicateur, je reviendrai beaucoup plus dans le détail lors de prochaines sessions, car c'est un élément fondamental de la matière économique. On peut juste déjà retenir que le produit intérieur brut, le PIB, permet donc, est une mesure, pardon, de la création de richesses d'une société grâce à ses agents économiques. C'est notamment et surtout le produit intérieur brut qui est utilisé pour calculer le taux de croissance économique, dont il est fait régulièrement écho dans les médias. Concrètement et très simplement, un taux de croissance, c'est lorsque le produit intérieur brut augmente d'une année à l'autre. Autre point très important qui est schématisé, cette relation entre macroéconomie, théorisation et modèle. Ce qui est intéressant, c'est que les macroéconomistes vont récolter dans leur démarche donc macroéconomique une série de données sur différents points clés de l'économie. On peut citer le revenu, le prix, les prix, l'emploi, l'inflation ou encore la production, etc., etc. L'objectif de cette démarche macroéconomique, c'est que entre ces différents points clés essentiels qui sont générateurs notamment de richesses, l'objectif de la macroéconomie, c'est de trouver des relations entre les différents points. Entre les différents points clés, pardon. Par exemple, y a-t-il un lien entre la production et l'investissement? C'est une question à laquelle s'intéressent les macroéconomistes. Y a-t-il un lien entre la variation de l'inflation et la variation des taux d'intérêt? Ou bien encore, est-il possible de rapporter la demande de produits avec le niveau des prix? Etc., etc. Donc la macroéconomie sert donc à comprendre, et à partir de cette compréhension, si des relations, je dirais, de cause à effet sont identifiées selon les données observées, on essaie à partir de là donc d'en tirer des théories, d'en tirer une théorie. Une théorie, pour le dire simplement, qu'est-ce que c'est? C'est une règle qui sera applicable et qui sera toujours valable et qui met en relation des données concernées. Cette relation, cette règle, justement, c'est pour en arriver au modèle, c'est-à-dire que le modèle, c'est la matérialisation donc d'une théorie, la matérialisation d'une relation entre des variables clés de l'économie. Donc le modèle s'appuie sur des observations, mais également sur une interprétation de ces observations. Et ces interprétations qui s'appuient donc sur ces observations vont être formulées en hypothèses. Donc, concrètement, un modèle économique va s'appuyer sur de l'histoire, c'est-à-dire sur des données observées, mais il va également s'appuyer sur une démarche conceptuelle. Alors, on peut d'ores et déjà donner un exemple de modèle. Suite à une observation de la variation des taux d'intérêt et des taux d'inflation sur plusieurs décennies, on peut déterminer un modèle qui va permettre, je dirais, de définir
la théorie suivante, à savoir que les taux d'intérêt varient à l'inverse du taux d'inflation. C'est-à-dire qu'on a constaté que à chaque fois que le taux d'inflation augmentait, les taux d'intérêt diminuaient, et réciproquement, lorsque le taux d'inflation diminuait, les taux d'intérêt augmentaient. Mais on peut aussi dire que ces variables sont interdépendantes, c'est-à-dire que la variation du taux d'inflation, comme je l'ai dit, impacte les taux d'intérêt, comme le niveau des taux d'intérêt impacte le taux d'inflation. Alors là n'est pas le débat sur ces deux aspects, sur cet aspect-là concernant ce module, hein, c'est juste un exemple qui est présenté. Mais ce point-là, bien évidemment, sera également revu lors de prochaines sessions. Donc, si je puis dire, un modèle, c'est une théorie qui synthétise dans des termes mathématiques des relations entre des variables économiques. Le modèle économique, quel intérêt donc d'utiliser, alors de définir et ensuite d'exploiter des modèles économiques? L'intérêt est suivant, c'est que l'esprit d'un modèle et de se concentrer sur l'essentiel d'une relation entre des variables. Le modèle, si je puis dire, est d'une nature essentielle, c'est-à-dire qu'il va exclure les détails. Le modèle est centré exclusivement sur une relation. Et ça, cette concentration est quelque chose donc de très intéressant pour celui qui veut comprendre le fonctionnement de l'économie, notamment pour organiser sa démarche. L'économie, je l'ai dit tout à l'heure, a un champ extrêmement divers, extrêmement étendu. Donc pour la comprendre, pour comprendre, identifier les phénomènes économiques, encore faut-il y aller pas à pas. Et je dirais que le modèle économique permet cette démarche progressive. Il est impossible de saisir tout, de saisir la totalité, de saisir tout, tout de suite et tout le temps. La compréhension donc du monde se fait progressivement, comme je l'ai dit. Et c'est grâce au modèle qu'on peut réaliser donc cette démarche progressive. Alors, au niveau du fonctionnement d'un modèle, le schéma qui vous est proposé est inspiré donc d'un ouvrage que je recommande. Un ouvrage donc qui est intitulé Macroéconomie de Grégory Mankiw. Alors, que nous dit ce schéma? C'est que un modèle va produire des résultats à partir de données que l'on y introduit. Ce qu'on peut appeler notamment les inputs. Alors, ces données, elles sont identifiées comme étant des variables exogènes. Exogènes, pourquoi? Parce qu'elles ont une origine extérieure au modèle. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Hein, je répète, les variables sont dites exogènes à partir du moment où leur origine est extérieure au modèle. Par contre, les résultats tels qu'ils sont présentés dans le schéma, que l'on appelle également output, sont des variables endogènes. Pourquoi? Parce que leur origine est le modèle. Ces variables endogènes, ce résultat, a été produit par le modèle. Autrement dit, donc le modèle calcule l'impact de variables exogènes sur des variables endogènes qui sont incluses dans un modèle. Donc ici, vous avez un exemple pour illustrer mon propos. Donc j'ai pris comme exemple la relation ou une relation qui serait identifiée dans le temps. Hein, je le répète, les modèles s'appuient sur des données observées, des données, si je puis dire, historiques. Donc là, ici, ce modèle a établi une relation entre le niveau des taux d'intérêt et le cours des actions. Concrètement, le modèle nous dit ou suppose l'hypothèse qui est la sienne. Et la suivante, à savoir que l'évolution du cours des actions est proportionnellement inverse à l'évolution des taux d'intérêt. Pour le dire plus simplement, si les taux d'intérêt augmentent, le cours des actions diminue, et inversement, si le taux d'intérêt diminue, le cours des actions augmente. Alors, vous avez ici une représentation sous forme de graphique. L'économie, on le verra,
Là aussi, au fur et à mesure des sessions, donc, et si je puis dire, friande des graphiques. Donc, vous avez ici en abscisse le taux d'intérêt, en ordonnée, vous avez le cours des actions. Et donc, le graphique représente donc cette relation proportionnellement inverse. Donc, vous voyez ici que lorsque les taux d'intérêt sont proches de zéro, donc les taux d'intérêt bas, le cours des actions, lui, par contre, ici, est élevé. Et au fur et à mesure que les taux progressent, eh bien, le cours des actions diminue. Donc, dans ce modèle, dans cet exemple, ce qui est intéressant ici, et c'est l'objet du propos, c'est de dire et d'identifier quelles sont les variables endogènes et quelles sont les variables exogènes. Donc, les variables endogènes, eh bien, elles sont celles-ci, et c'est celles qui permettent de représenter graphiquement la relation. Donc, les variables endogènes sont le taux d'intérêt et le cours des actions. Au niveau des variables exogènes, mais il n'y a pas, je dirais, une seule variable exogène, mais il y en a une multitude. Donc, je vous donne un exemple de variable exogène, c'est le taux d'inflation. Dans ce cas-là, je dirais que le modèle est censé répondre à la question de savoir quel est l'impact d'une variation du taux d'inflation, d'accord, sur les deux variables endogènes que sont le taux d'intérêt et le cours des actions. Donc, si on injecte le taux d'inflation dans le modèle nous dira que une augmentation du taux d'inflation génère une baisse des taux d'intérêt, d'accord? Et cette baisse du taux d'intérêt va entraîner une augmentation du cours de l'action. Ça peut être une hypothèse, en tout cas celle qui serait retenue par le modèle en question. Le propos donc n'est pas, hein, cette relation, je le répète, entre taux d'inflation, taux d'intérêt et cours des actions, mais simplement, je dirais, de pouvoir comprendre la différence entre variables endogènes et variables exogènes. Alors, avant-dernier point, donc du modèle à la politique. Donc nous l'avons dit, hein, ce modèle, les modèles ont pour but d'expliquer ce qui est. Ils ont pour but, je dirais aussi, de simuler. De simuler, c'est-à-dire que si, comme nous l'avons vu précédemment, nous prenons une hypothèse de variation d'une variable exogène et que nous l'injectons dans le modèle, eh bien, le modèle va nous donner un résultat. C'est-à-dire que derrière ce cheminement, il y a une prédiction. Donc, ce qui est intéressant donc, par rapport au modèle, c'est sa capacité prédictive. Capacité prédictive qui est nécessaire pour l'élaboration d'une politique économique. Lorsqu'on fait de la politique économique, c'est-à-dire qu'on prend des décisions, qu'on fait des choix, eh bien, bien évidemment, c'est pour obtenir des résultats. Mais par rapport aux résultats qui sont attendus, encore faut-il peut-être avoir une idée de la façon dont peuvent être générés ces résultats. Donc, sous-entendu, comment faire pour orienter les décisions afin d'atteindre les résultats escomptés? Alors, le modèle donne une réponse, peut donner une réponse, puisqu'il va expliquer, on l'a dit, une relation entre des variables. Si l'une des variables, par exemple l'endogène, n'est pas satisfaisante sur un plan économique, on peut essayer d'agir sur l'autre variable endogène, de façon à influer sur la variable en question. Autre possibilité, on va agir sur des variables exogènes qui impacteront la relation entre les variables endogènes. Je reprends un exemple issu du précédent exemple, à savoir la relation entre le cours des actions et le taux d'intérêt. Si les hommes politiques considèrent que le marché des actions est trop à thème pour attirer des investisseurs. Donc pour attirer des sources de financement qui seraient bien nécessaires aux entreprises afin de développer leur activité, eh bien ces hommes politiques vont
décider ou chercher à dynamiser le marché des actions. Comment pouvoir dynamiser le marché des actions? Eh bien, on l'a vu dans le modèle, en fonction de la relation entre le cours des actions et le taux d'intérêt, la politique économique peut viser justement ce taux d'intérêt, c'est-à-dire de prendre des décisions qui vont dans le sens d'une baisse des taux d'intérêt. Et si les taux d'intérêt baissent, le modèle nous dit que le cours des actions progressera. Et si le cours des actions progresse, cela signifiera que le marché des actions devient beaucoup plus dynamique et surtout beaucoup plus attractif. Donc concrètement, les capitaux s'orienteront plus facilement sur un marché dynamique et ces capitaux représenteront une source de financement pour les entreprises. Alors, la critique qu'on peut faire par rapport au modèle, c'est cette vision très mécaniste qu'il propose. On l'a vu, je reprends toujours le même exemple, entre les taux d'intérêt et le cours des actions. Le modèle nous dit, si les taux d'intérêt augmentent, le cours des actions diminue, et inversement. Donc il y a vraiment, par rapport à cela, par rapport à cette présentation, donc l'idée d'un mécanisme, quelque chose qui serait automatique. Eh bien cette vision mécaniste, elle vient surtout, je dirais, en opposition par rapport à ce que je reprends comme le je ne sais quoi. Le je ne sais quoi, qui est un concept, un cher à Vladimir Yankelevitch, un philosophe, qui utilisait cette notion donc de je ne sais quoi pour dire, pour identifier ce qui est indescriptible et qui pourtant produit tant d'effets. Ce je ne sais quoi, c'est certainement quelque chose qui n'est pas modélisable, alors même que ce je ne sais quoi peut être décisif, y compris en économie, y compris dans toute relation. Donc, le modèle n'est pas en mesure de prendre en considération ce je ne sais quoi. Ce je ne sais quoi extrêmement important, notamment lorsqu'il s'agit de relations humaines. Donc, on peut se poser la question par rapport à cela, c'est est-ce qu'il faut jeter tout le modèle à la poubelle? Eh bien, je dirais certainement pas, même s'il faut avoir un certain nombre de précautions, si je puis dire, d'usage, mais aussi avoir en tête que le modèle, c'est un outil parmi d'autres. Un outil parmi les nombreux outils qui peuvent exister pour pratiquer de l'économie et qu'il faut savoir utiliser, qui peut permettre d'expliquer ce qui est par opposition au résultat qu'il génère. C'est un outil qui peut encadrer, une politique économique et surtout servir de pilotage de façon à prendre des décisions correctives par rapport à ce qui aurait pu être décidé, par rapport à ce qui a été décidé initialement. Il faut aussi comprendre qu'un modèle fonctionne lors de la variation d'une seule variable exogène. Et c'est la plus grande critique aussi qu'on peut lui faire. C'est qu'un modèle va fonctionner si une seule variable exogène, en l'occurrence, varie, en considérant que toutes les autres variables exogènes, elles, restent constantes. Ce qui, dans la réalité, est plutôt rare, extrêmement rare. Et bien voilà, cette première présentation donc se termine. Donc vous avez ici ma présentation et la possibilité donc de me contacter. Donc si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de présenter, ou alors si vous souhaitez tout simplement échanger sur des sujets d'ordre économique et financier, vous pouvez me joindre à cette adresse, donc jfcaron@outlook.fr. jfcaron@outlook.fr. Je vous remercie de votre attention et j'espère à bientôt.